Hello, bonjour. Je vais parler de Meghan Markle et le prince Harry. Je vais parler de le match de polo pour l'association Saint-Abalais. Vous savez que tous les ans, le prince Harry et son équipe, l'équipe de Saint-Abalais, organisent un match de polo afin de lever des fonds pour l'association Saint-Abalais. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Saint-Abalais, c'est une association qu'il a co-créée avec le prince du Lesotho en faveur de la jeunesse du Lesotho. Ils ont fait un match récemment, il y a 2 jours de cela. On a beaucoup dit que c'était à Miami, mais je crois que c'était à Palm Springs, qui n'est pas loin. Et Meghan Markle, le prince Harry était présent. Meghan Markle est toujours aux côtés du prince Harry parce que c'est son mari, elle est là pour le soutenir. C'est aussi toujours bien que la femme soit là pour soutenir celui-ci, mais aussi pour faire parler. Vous savez qu'on regarde toujours les toilettes de ces dames et tout. Meghan Markle est quelqu'un de très stylé. Donc ils ont fait ce match qui était un succès parce que ça a été non seulement rapporté partout dans le monde, mais en plus ça a rapporté beaucoup d'argent. On a beaucoup parlé de Saint-Abalais. Et tout ce qui a été récolté va retourner directement pour l'aide à l'association, comme je l'ai dit, au Lesotho, pas loin de l'Afrique du Sud. Et je suis contente de dire que 1 million de dollars ont été récoltés pour ça. Ce sont des dons qui ont été donnés par les personnes qui ont participé. Il faut rappeler que en fait, le match de polo s'est tenu dans un club privé à Palm Springs, un club qui avait de l'espace pour ce match-là, qui aussi a organisé certains matchs. Donc, si bravo pour le prince Harry, il a obtenu son objectif, pouvoir lever des fonds pour son association. Une association qu'il a depuis, une association qui est personnelle, parce que certains essaient de dire que oui, c'est la famille royale qui lui a permis d'avoir cette association-là. C'est complètement faux. Le prince Harry a créé cette association en l'honneur de sa maman, mais aussi pour remercier des personnes qu'il avait accueillies en Afrique quand il avait eu des problèmes après le décès de sa maman. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bravo le prince Harry, comme on dit, le service est universel. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.